wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building, ringing through. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtueux. J'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information qui devrait plaire à énormément de personnes. Oh yeah! Alors Rockstar a réajouté le DLC Saint-Valentin pour tout le monde. Alors vous pouvez maintenant aller sur le site de Legendary Motorsport afin de pouvoir acheter la Albany Roosevelt Valor et la Albany Roosevelt qu'on a eu il y a 2 ans. Alors Rockstar, on va dire qu'il y a eu de grosses confusion entre la communauté et Rockstar. Je vais rapidement vous expliquer. Donc nous, on a pu voir que Rockstar a tout simplement supprimé tout le contenu pour les personnes qui ne l'avaient pas acheté, etc. Alors qu'il nous avait dit que ça resterait tout le temps disponible à l'achat, recevant énormément de messages de la part de la communauté disant qu'ils avaient pu le DLC, etc. Rockstar a dit que c'était un gros bug et qu'ils allaient réajouter le contenu très rapidement. Voici chose faite. Donc pour les personnes qui s'inquiétaient de ne pas pouvoir avoir la Roosevelt Valor ou même l'ancienne Roosevelt sur GTA Online en passant sur Next Gen ou même sur PC, vous pouvez dormir l'esprit tranquille étant donné que le DLC est revenu il y a à peine 10 minutes. Donc voilà, la vidéo est vraiment super courte mais très importante en ce qui concerne le DLC du DLC Saint-Valentin. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo d'information. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.